attitude à adopter pour réussir en fait dans l'entrepreneuriat? Je pense que moi je le résume, moi j'ai une théorie que j'ai créée l'année dernière. Moi je le résume, je l'appelle PAF. PAF. PAF comme chemin. Le PAF, ouais, voilà. Le chemin. Comme de PAF. Patience, audace, travail et humilité. Wow. Voilà, donc il faut déjà être très patient. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas bâti en une journée. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que, bon, ok, je pose mes valises au Cameroun et tout de suite, ah oui, je vais devenir milliardaire parce que j'ai posé mes valises au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir de l'audace. Ouais. Et l'audace, justement, c'est le courage dont j'ai parlé tout il à l'heure. Il faut oser. Tous ceux qui ont mené à bien des projets importants, ouais, ils ont à un moment donné osé. Et ils se sont heurtés à de la critique, ils se sont heurtés au manque d'enthousiasme, ils se sont heurtés à plein de choses. Ouais. Mais ils ont osé et ils sont allés au bout, justement, ouais, de ça. Ensuite, il y a le travail. On ne le redira jamais assez. Ouais. C'est le travail. Ce n'est pas aller chez le marabout, c'est pas ça qui va faire, ouais, que vous allez réussir. Ouais. C'est le travail. Et le travail, c'est jour après jour. On se perfectionne au fur et à mesure. On met une brique après l'autre avant de construire une maison. Ouais. Voilà, la maison, elle vient pas comme ça d'un non coup. Non du tout, on commence par une fondation et déjà. Exactement, ouais, c'est le travail. Et après, il y a de l'humilité, c'est-à-dire qu'il faut savoir que des gens ont fait des choses avant nous. Il y a des aînés aussi qui ont travaillé, qui ont fait avant nous. Mais l'humilité, surtout, nous permet d'écouter les autres. De prendre conseil. Auprès des aînés. D'écouter son environnement. D'écouter parce qu'on apprend tous. Nous sommes tous des élèves de la vie. Ouais. Et chaque jour, on apprend sur son industrie et sur son travail. Ouais. Yeah.